faut que tu choisisses la bonne voie. D'accord ? Deuxième cours de conduite du jour pour Aurore Ferreran-Rousseau. Cette monitrice d'auto-école enchaîne les leçons. Problème, elle ne sait pas quand ses élèves pourront passer l'examen du permis de conduire. On a perdu un inspecteur au mois d'août dans le département qui n'a pas été remplacé. Donc aujourd'hui, la situation, elle est simple. On se retrouve avec un engorgement de candidats dans toutes les auto-écoles et pas cette place pour les présenter aux examens. Il ne reste plus que 7 inspecteurs dans le département depuis le mois d'août. Conséquence, 2 à 3 semaines d'attente pour un premier examen et au minimum 3 mois pour le repasser en cas d'échec. Des délais multipliés par 3. Cette mère de famille espérait passer le permis en février. Du coup, ça va peut-être me retarder un peu les séances du fait de passer le permis. C'est inquiétant. Une situation d'autant plus incompréhensible que le gouvernement demande plus de mobilité pour trouver un emploi. Les députés de la Vienne pointent un dysfonctionnement. Bordeaux. Il y a une contradiction et cette contradiction, finalement, on peut peut-être la lever. Mais c'est la raison pour laquelle, après m'être adressé au préfet, sans avoir la réponse satisfaisante, avec mes collègues Jacques Savatier et Nicolas Turquois, on va saisir le ministre de l'Intérieur. Bon, du coup, on en est où pour les présentations de ce mois-ci ? En attendant, les professionnels perdent de l'argent, déjà 15 000 euros pour cette auto-école. Autre conséquence pour les jeunes en conduite accompagnée. Les annonces qui ont été faites l'année dernière prévoyaient de présenter les élèves à 17 ans au permis et les élèves n'y comprennent pas, donc la situation elle est intenable et notamment pour notre secrétaire qui n'arrête pas de prendre des remarques par les clients. On voit qu'il n'y a personne, tu peux relancer la voiture, d'accord ? Si aucune solution n'est trouvée d'ici le printemps, les 40 auto-écoles et 70 agences du département pourraient mener des actions.